Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire un slime VS qui m'a été demandé en commentaire et liké plusieurs fois, donc je me suis dit qu'il fallait le faire. Donc en fait j'ai acheté des ingrédients chez Jiffy, je le fais pas très souvent, tout simplement parce que chez Jiffy les prix sont beaucoup plus excessifs que chez Action et en plus je ne sais pas du tout si la colle fonctionne, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Donc pour la colle, là j'ai deux fois 100 ml, donc en tout 200 ml pour 4,50 €, je trouve ça super cher. En sachant que les 200 ml de chez Action coûtent 77 centimes. Donc déjà, il y a une grosse différence de prix. Ensuite, je vais utiliser un gel pailleté de chez Action. Il se vend par 6 pour 3,99 € si je me rappelle bien. Donc ça va, ce n'est pas excessif. En sachant que celle-ci, cette peinture pailletée, ce n'est pas un gel pailleté. Je n'ai pas trouvé de gel pailleté chez eux. Cette peinture pailletée coûte 2,65 €, j'ai le ticket avec moi, 2,65 € pour 150 ml, une seule couleur. Donc voilà, déjà ça revient à beaucoup plus cher. Donc là il y en a pour 7 € et quelques, et ici il y en a pour 1 € et quelques, quand on compte le gel pailleté et la colle. Allez, c'est parti pour le test. J'ai ouvert la colle en avance, donc en fait il y a le bouchon et tout. J'ai voulu vérifier si elle était transparente, et en fait c'est de la colle blanche, donc je suis assez déçu. J'arrive plus à enlever le bouchon du coup. Ah si, ça y est. Hop. Je suis assez déçue, regardez, c'est de la colle blanche. On va pas venir en mettre beaucoup, je ne sais pas du tout si elle fonctionne. Elle est très épaisse, je trouve. Allez, on vient ajouter la peinture. Donc comme c'est de la peinture, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle se verra bien avec la colle blanche. Ici, de l'autre côté, je mets mes deux ingrédients de chez Action, une colle transparente et gel pailleté. Je ne les fais pas très grands, après on sait que pour Action ça fonctionne. Ces gels pailletés ont vraiment du mal à couler à chaque fois. Bon, après j'en ai largement assez. Allez, c'est parti, on va passer au mélange des deux côtés. Donc déjà pour le gel pailleté de chez Action et la colle transparente, forcément ça ne va pas changer beaucoup de couleur. C'est très joli, hein. J'aime beaucoup. Ce qui m'intéresse le plus de savoir, c'est pour celle-ci, j'espère vraiment qu'elle va fonctionner. Ok, ça s'est quand même beaucoup éclairci, forcément c'est de la colle blanche, mais on voit quand même bien les paillettes. Du coup j'hésite à en remettre un petit peu, ou je vais en remettre un petit peu quand même. J'espère que ça va fonctionner parce que autrement c'est du gâchis. Ok, c'est déjà un petit peu plus foncé, plus joli. Allez, je vais mettre celui-ci de côté et on va faire celui de chez Action. On connaît déjà le résultat, on sait très bien que ça fonctionne super bien. Voilà, ça commence déjà à se former, forcément. Je ne vous ai pas montré, mais vous avez vu, de toute façon, je forme ça avec de l'acide borique aujourd'hui. Donc voilà pour le slime, une fois formé, il est juste parfait. Bon, il est beaucoup plus clair que tout à l'heure, mais une fois les bulles parties, il sera super brillant et tout. Mais je le trouve déjà très joli comme ça. Allez, maintenant on va former l'autre slime, celui, enfin j'espère qu'il va se former, celui de chez Jiffy. Allez, c'est parti. Ok, ça a l'air de fonctionner, enfin je pense. Je pense que la colle fonctionne. On va voir maintenant après au niveau de la texture. C'est déjà une bonne chose, hein, parce que vu le prix de la colle, ça n'aurait pas fonctionné, j'aurais été super déçue. Là, ça va, ça fonctionne.
Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, comme un bruit de vent, c'est tout simplement parce qu'on a une petite tempête par chez nous en Normandie. Donc voilà, forcément, je peux pas cacher tous les bruits. Hop, je vais remettre encore un petit peu d'acide borique. Du coup, il m'a fallu une pipette d'acide borique pour le former. Alors que je crois qu'il y avait plus de colle que pour la colle de chez Action. Donc voilà le résultat pour la colle de chez Jiffy. Il est vraiment pas mal. Par contre, il m'a fallu travailler le slime assez longtemps. Le slime est super doux comparé à celui de chez Action. Et en plus, je crois que ça s'étire quand même mieux avec cette colle. Après, vraiment, le gros bémol, c'est le prix. Si je divise le prix par deux, parce qu'il y a deux pots de colle. Mais après, l'autre est de 200 ml aussi. Donc non, je ne vais pas diviser. C'est 4,50 € les 200 ml. Pour 77 centimes, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Voilà, c'est vraiment le gros bémol. Pareil pour la peinture pailletée, 2 euros, je ne sais plus combien, 2,65 euros, je crois. Et ici, 3,99 euros, les 6. Là, il n'y en a qu'une. Donc, j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous, les amis!